في مركز الجامعي جالما، وهان 500 سرير من أربع أجنحة للإيواء، ومطعم لدفين وجبة، وإدارة وأدوات تتطلب إنجاز المشروع الكامل. Hébergement numéro 1 confie à l'entreprise Ferdi l'avancement des travaux au terrassement généraux à peu près 10%. On a rencontré des équipiers de la Roche. Ce bloc est de 136 lits. Nombre d'étages c'est 1+4. On va aller voir le bloc hébergement numéro 2. Numéro 2, confié à l'entreprise Ben Nasser, c'est 1+4, nombre de lits 136 lits dans ce bloc, état d'avancement à peu près 15%. Toujours une difficulté de la roche, les travaux sont en cours. Numéro 3, c'est 1+3, confié à l'entreprise Kras, les travaux de terrassement en cours. Là, le bloc d'hébergement H4, les R+4 confiés à l'entreprise Boujaham, terrassement 90%, les chemins à peu près 60%, toujours c'est terrain rocheux, délai d'exécution suivant les contrats c'est 8 mois, et toujours c'est des terrains rocheux. Et au niveau des amorces potoles, voile une partie est à 100%. Rez-de-chaussée aménagé en douche collective de 19 chambres. La capacité de ce bloc, c'est 124 lits. C'est-à-dire restaurant, est composé de R+2, état d'avancement, terrassement, à 10%, 1er juin, 10e juin en cours. La capacité de ce bloc pour 2000 lits, c'est-à-dire 2000 repas par jour. Confié à l'entreprise Riyad Sidar Annaba, il est d'exécution 8 mois. Le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire confie à l'entreprise Equifor, c'est l'entreprise publique. Délai d'exécution toujours 8 mois, travaux de terrassement à 100%, des fouilles en cours, présence de la roche. Des fouilles 100%, y compris des terrassements. Thank you.
site pour les deux logements de fonction, terrassement généraux à 100%. Reste fouillon puillon en cours, confié à l'entreprise Lex Sotrag, ECGB. Universitaire est composé de 100 salles lits. Il y a 4 blocs hébergement, 3 blocs NR plus 4 et 1 bloc NR plus 3, et un bloc restaurant, et deux blocs administration, et deux logements de fonction, et une chaufferie, clôture et deux loges gardiens. Ça, c'est l'ensemble du programme des 100 salles lits. État d'avancement, terrassement généraux, il y a 60%, sauf l'exception de l'entreprise Bougem. Travaux de gros œuvres, il y a encore à peu près 10%, collage du semelle et gros béton. Donc on a rencontré des difficultés de la roche sur le site. تم تسجيل هذا الطريق في 23/4/2001 على الساعة 10:00 وربع.